Good morning, allez, Iden, les suisses aujourd'hui, les lunes, les avant train, Robert Ben Fortuné, Mazal, Ramim Ben Rosa, et Lida Batester, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, qu'on dirait 5 minutes éternelles. Nous étions en Sérat Erchin, Perek Bet, Mishnah Bet, Ein Pochatin, me Arbaa Chodashim, me Ubarim, Bashana, velo nire Yeter, al Shmona. Shte Alechem Nechalot, Ein Pochot Mishnahim, velo Yeter al Shlosha. Lechem Abanim Nechal, Ein Pochot Mitisha, velo Yeter al Echadasar. Depuis la Mishnah précédente, on a commencé à ouvrir un sujet totalement annexe de Maseret Erchin. On va parler de plein de choses dans notre chapitre. Partout où il va y avoir une mitzvah de la Torah délimitée par une borne en dessous, une borne au-dessus. On a commencé à parler d'Erchin, ça varie d'où à où, quel est l'intervalle d'Erchin, ça varie de 1 jusqu'à 50 Sela ou Dinar de la Torah, en fait j'ai vérifié, j'avais une petite dette avec vous, c'était que le Sela, le Dinar de la Torah, il vaut un Sela. Quand vous voyez Dinar dans la Mishnah, en fait c'est un quart du Sela de la Torah. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est une constante. Ok, pour le moment, donc on ferme la parenthèse. Hier on avait déjà commencé à parler maintenant des limites inférieures et supérieures du taux des Erchin, des valeurs, quand on fait un don au Ben Amigdash. On a parlé ensuite des Pitrenida, de la femme Nida. Après, on a parlé des Negaïm, des âges de lèpre. Et à présent, dans notre Mishnah, on va encore parler de quatre choses. Du calendrier lunaire. On va parler ensuite des Shtal Echem Elchem Panim. Et après, on va parler du Brit Mila. Et on commence chacun. On va consacrer deux petites minutes sans trop traîner sur chaque chose. Sinon, on peut s'étaler. C'est des sujets où on peut brasser énormément. Parce que vous imaginez bien que sur une petite phrase, parce qu'on a vu dans un rapport, il va falloir introduire chaque sujet pendant des heures. On va faire ça assez rapidement. La première partie de la Mishnah, maintenant, ça va nous parler du calendrier lunaire. Vous savez que le cycle, dans la Torah juste, on compte selon les mois lunaires, et on ajuste ensuite avec les mois solaires aussi, c'est le principe de Adar Bet, pour ne pas se retrouver, étant donné que la Torah est aussi fixée que les mois, les fêtes de la Torah, elles fonctionnent aussi avec les saisons solaires. Les saisons, ça va toujours selon le soleil, bien évidemment. Et donc la Torah, elle m'a dit, tu fais en Nissan, mais que ça doit être Hodesh Aviv, le mois du printemps. Donc, pas comme chez les Arabes, où ils font le Ramadan, en fait. Tous les 12 mois, eux, ils comptent pas, ils ajustent pas. Donc en fait, on se retrouve avec des fois, ils ont le Ramadan avec, en plein été, des fois en plein hiver. Chaque mois, en fait, chaque année, ils prennent un peu plus de retard et comme ça, ils perdent un peu des années. Enfin, là, n'est pas notre problème. On se contente d'étudier la Torah avant le Coran, on verra après. Et pour notre propos, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est que le calendrier, le cycle lunaire, on dit toujours que c'est 29 jours et demi. C'est pas exact. C'est Kaftet Yud Bet Tashtag. 29 jours, Yudbet 12 heures, Tashtag, ça fait 793 sur 1080. L'heure de la Torah, elle est partagée en Tatraf, Halakim, Tatraf, 1080. Taf, Reshfe, c'est la gamatria, ça va rappeler 1080. Donc en fait, ça fait l'équivalent de plus ou moins 4 cinquièmes, à peu près. Il s'avère qu'en fait, chaque cycle lunaire, on va d'abord poser la problématique, chaque cycle lunaire, en fait, tu vas faire le Rochrodèche après 29 jours. C'est sympa, c'est vrai, parce que le jour d'après, ça y est, on va commencer à avoir la nouvelle lune. Le problème technique, il est que tu as pris pendant 12 heures de retard. C'est que tu as commencé, tu as dit que le mois il a commencé, alors que le cycle lunaire n'a pas encore commencé. Il attend encore pendant 12 heures avant de commencer son cycle. Donc il va falloir réajuster en fait. En moyenne, on va se retrouver toujours avec 29 jours, 30 jours, 29 jours, 30 jours, 59 jours en fait. Sauf qu'il y a un problème à cause de cette histoire des Tashtag Halakim. Les 793 sur 1080 fractions de 1080, que eux, au bout d'un an, on va se retrouver avec 8 heures à peu près d'intervalle. Ouais, 4 cinquièmes, donc après la deuxième année, ça va nous faire 8 cinquièmes, donc on va se retrouver déjà avec 1h30, un peu plus, 1h20, 1h40, je sais plus. Bref, et puis après, comme ça, on va cumuler. Au bout d'un an, on va se retrouver avec 8 heures, un petit décalage de 8 heures avec la Lune, qu'il va falloir réajuster à un moment. Donc en fait, il va falloir qu'à un moment, en fait, grosso modo, à la troisième année, mais c'est pas exact, parce que ça va compliquer un peu l'histoire, en tout cas, au bout d'un an, quoi qu'il arrive, il faut que tu rajoutes 24 heures dans un mois. Donc en fait, tu vas prendre un mois de 29 jours, et tu vas rajouter un mois supplémentaire. Donc on va se retrouver avec, cette fois-ci, au lieu de faire 29-30, donc que ça te refait en moyenne de 6 mois de 30 jours et 6 mois de 29 jours, et bien tu vas te retrouver avec, il va falloir rajouter un mois supplémentaire, donc ça va faire 7. Mais ce n'est pas exactement plus. Parce que quand tu as rajouté un jour, tu ne devais rajouter que 12 heures. Donc en fait, on va se retrouver comme ça avec des décalages. Ça, c'est de manière générale. Le but de notre Mishnah, en fait, il est de me préciser. Sache que, des fois, les mois lunaires, eh bien, à l'année, on ne fera jamais moins de 4 mois de 30 jours, et jamais plus que 8
mois de 30 jours. Là, on va toucher dans un problème, on va rentrer dans un problème un peu plus délicat, qui est que la Torah nous a dit « Elemo ad Hashem, asher tikriu otam bemo adam » La Torah a donné la force au Sanhedrin de fixer le début du calendrier. C'est-à-dire que même si, selon le cycle lunaire, ce serait plus logique de fixer que ce sera demain Rosh Chodesh, on peut décider que ce sera ce mois-ci sur Rosh Chodesh. Si toutefois, on a des témoins qui ont vu le renouvellement, et c'est toute une histoire, on n'a pas longtemps dans Rosh Hashanah, comment est-ce qu'on se permettait de faire ça? Mais en tout cas, Chachamim avait des calculs pourquoi il fallait que « lo badou pesach, lo adou rosh » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase. « Lo badou pesach »« Badou » c'est « bet dalet hei »« Pesach » ne tombe jamais à un lundi. « Bet dalet hei vav » Donc lundi, mercredi et shishi, vendredi. Et « lo adou rosh » Rosh Hashanah ne tombe jamais à un yom rishon, un yom revi, ou un lundi, un dimanche. Un mercredi et va un vendredi. Il y a des raisons pourquoi, par rapport à Kippour, par rapport à Sukkot, il y a tout un plein de raisons pourquoi ça se passe comme ça. On a des règles. Donc du coup, le Sanhedrin jouait un peu sur les mois. Il savait le cycle lunaire exactement quand il y avait le renouvellement de la lune, mais il décidait parmi dans ces 2-3 jours d'intervalle de flou à peu près où la lune est en train de disparaître, elle va bientôt réapparaître et elle n'a pas vraiment réapparu. On utilisait de jouer un petit peu dans ces intervalles pour fixer que, allez, on va fixer Rosh Chodesh ici, comme ça le mois prochain on va se retrouver là, et puis comme ça on va calculer. Du coup, la Mishnah vient m'enseigner. Ed pochatin marbar chodashim ameubarim majana. C'est vrai que je te laisse jouer. Joue comme tu kibirchol, comme tu veux. Organise le calendrier comme tu veux. Mais à condition que malgré tout, dans une année, tu ne fasses jamais moins que 4 jours, 4 mois de hibour. 4 mois où les Meubarim, c'est qu'elle est littéralement elle est enceinte, c'est-à-dire que le mois elle a pris 30 jours au lieu de prendre que 29. Donc au moins 4 mois de 30 jours au minimum à l'année, velon irre yorte yeter al shmona, et tu ne feras jamais plus que 8. D'accord? En tenant compte, donc, comme ce qu'on a dit, en plus de ça, que parfois il va falloir rajouter le mois du Chodesh à Ibour, et avec les cumuls de retard et les années de Jvit aussi, on ne veut pas qu'elle dure trop longtemps la Jvit. Il y a tout un détail de calculs, c'est un peu éparpillé dans le chasse, on en parle beaucoup dans Sanhedrin essentiellement. Et on continue avec le deuxième sujet de la Mishnah, cette fois-ci ça va aller beaucoup plus vite. J'te alechem nechalot en pochot Mishnahim, or Shavuot. À Shavuot, il y a un korban particulier à Porto Betamigdash, c'était tout le service de J'te alechem. On en avait parlé dans Menachot longuement. J'étais à l'Echem, c'est qu'il fallait faire 2 pains qui étaient Chametz. On n'apportait presque jamais du Chametz au Betamigdash, sauf à Shavuot et le Korban Toda aussi, c'est une autre histoire. Et à Shavuot, on apportait 2 grands pains qu'il ne fallait pas les faire monter sur le Mizbar. Jamais on mettra Kichol Sarovichol Levash, l'Otex Mimino Lachem. On ne fait jamais monter du Chametz sur le Mizbar. En général, on n'apporte même pas du Chametz au Betamigdash, parce qu'il faut. Le Chametz, c'est le symbole de la Gaava, il y a plein de raisons. Mais en tout cas, donc, spécifiquement à Shavuot, il y a des raisons profondes pourquoi c'est comme ça. À Shavuot, il y avait une avodah à faire avec les Shte Alechem, ce qu'on appelle les Shte Alechem. Maintenant, les Shte Alechem, donc il fallait les prendre le matin de Shavuot, on apportait les korbanot, des korbanot, des shalmi chagiga, on apportait tout un rituel de korbanot, et il fallait donc prendre ces 2 pains. Ces 2 pains-là, il fallait pas les faire cuire avant Yom Tov. Il fallait faire cuire depuis avant Yom Tov. Ok? Maintenant, donc il s'avère que quand tu vas les faire cuire avant Yom Tov, donc ils vont être mangés au minimum le deuxième jour, parce que, imaginez, Shavuot qui va tomber un mardi, mercredi, mardi, par exemple, ouais, ça peut être, non, un mercredi, imagine un Shavuot qui va tomber un mercredi, ben tu vas devoir le cuire le mardi après-midi, mardi, donc, tu vas manger le pain, le deuxième jour, donc, le pain, le lechem, shtei lechem, les 2 pains, nechaloten pachut mishnayim, ils ne seront jamais mangés moins que 2 jours, donc toujours, au minimum, 2 jours d'intervalle, du moment où ils ont été faits jusqu'à qu'ils ont été consommés, et parfois même velo yeter al shlosha, jamais plus que 3 jours. Il faut qu'ils soient le plus frais possible, mais comme cette année par exemple, Shavuot va tomber samedi soir, donc on ne pouvait pas les faire cuire pendant le Shabbat, donc il fallait faire cuire depuis le vendredi. Donc il s'avère que les pains, ils sont cuits donc 3 jours avant la consommation. Vendredi, samedi, dimanche, donc le premier jour, on compte le troisième jour. Ok? Maintenant, le lechem apanim, c'est les 12 pains qu'on apportait au Beth Amikdash. Il y avait un rituel à faire, on apprenait ça aussi dans Maseret Menachot, un rituel à faire pour, on les apportait, on les mettait sur la table en or, il y avait 12 pains, il fallait prendre ceux de la semaine d'avant et mettre des nouveaux pains qui restaient jusqu'à la semaine d'après. Ces pains-là, on ne les faisait pas cuire pendant Shabbat, il fallait les faire cuire le vendredi. Donc, tout d'abord, chaque lechem apanim, il était mangé au minimum le 9e jour. Pourquoi? Vendredi, ça compte 1, on les a cuits, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et samedi de nouveau, samedi et le samedi soir, on les mangeait.
samedi, on les mangeait. Donc ça fait le 9e jour. Donc tous les lechem apanim, quand tu manges du lechem apanim au Beit HaMikdash, ils sont mangés au minimum au 9e jour depuis sa cuisson. Et il restait parfaitement frais, c'est un miracle qu'il y avait. Velo yeter al hadassar, mais pas plus que 11 jours. Il y a une configuration où le lechem apanim, la cuisson du lechem apanim ne repoussait pas le Yom Tov. Donc, premièrement, si on avait un Yom Tov qui tombe un vendredi, imaginez que ça arrive, un Shavuot par exemple qui va tomber un vendredi, eh bien, on va se retrouver en situation que on ne pourra pas faire cuire le lechem apanim depuis à Shavuot, donc il faudra faire cuire depuis le jeudi d'avant. Donc déjà, tu as rajouté une journée, on se retrouve avec 10 jours. Le lechem apanim sera mangé après le 10 jours après sa cuisson. Un autre cas particulier maintenant, c'est lorsqu'il y a eu Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est une fête un peu particulière, que même à l'époque du Beit HaMikdash, lorsque le Rosh Hashanah arrivait, eh bien, selon le calcul lunaire, on savait que ça allait être bientôt Rosh Hashanah, très probablement. Donc du coup, on démarrait la journée en interdisant toute cuisson, tout travail. On attendait les témoins qui allaient venir pour décréter que ça allait être Rosh Hashanah. Si les témoins venaient, cette journée-là était décrétée de Rosh Hashanah, sinon le Rosh Hashanah s'était reporté au lendemain. Donc du coup, il fallait être... Ouais, c'était reporté au lendemain. Malgré tout, la même journée, elle était encore interdite à faire des travaux. Il était comme d'autres qu'il y a eu au fil de l'histoire. Et donc, on se retrouve que maintenant, lorsque Rosh Hashanah arrive, si on a un doute, est-ce que Rosh Hashanah va tomber un jeudi ou vendredi, il fallait faire cuire le lechem apanim depuis le mercredi. Donc il s'avère que le lechem apanim, il était parfois consommé au 11e jour de sa cuisson. C'est ce que la Mishnah nous enseigne. Lechem apanim ne'echalen pachut mitisha. Le lechem apanim est consommé pas moins que 9 jours après la cuisson, le 9e jour après la cuisson. Mais lo yeter al hadassar est pas plus que 11 jours après sa cuisson. Ensuite on continue. Katan nimol en pachut mishmona velo yeter al shinamasar. Le petit enfant, le bébé, on fait le brit mila à un bébé au minimum au 8e jour et au maximum, à part lorsqu'il a été malade, mais je parle concrètement par rapport à la misère de la Torah d'attendre le 8e jour, et bien on va se retrouver des fois avec un temps élastique qui va durer pendant 12 jours pour attendre le 8e jour. Comment c'est possible? Idée très simple. On va commencer à prendre, tout d'abord, n'importe quel enfant qui naît, aujourd'hui, on est lundi, et bien il naît aujourd'hui, on fait le brit mila lundi prochain, donc il est au 8e jour, on a fait le brit mila. On compte le premier, on compte le dernier, comme ça qu'on compte dans la Torah en général, c'est plus pratique pour se comprendre. Donc 8e jour, on lui fait le brit mila. Imaginez maintenant qu'il est né à veille de Shabbat, mais ben Hashmashot, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'il est né le vendredi ou est-ce qu'il est né à l'entrée de Shabbat. Le brit mila repousse le Shabbat que si l'enfant il est né à Shabbat. Mais s'il est né le vendredi et qu'on n'a pas fait le brit mila le vendredi, pour une quelconque raison, on ne pourra pas lui faire le brit mila le Shabbat. Ouais, d'accord. Imaginez, vendredi on devait... On va lui faire le brit mila au 8e jour. On n'a pas trouvé de moelle. Le moelle, jusqu'à qu'il est venu, il y avait des embouteillages terribles. Il n'a pas pu arriver. Et on est rentré dans Shabbat. Est-ce qu'on fera le brit mila pendant Shabbat? Réponse, non. Si ça tombe le 8e jour uniquement, tu fais pendant ça repousse Shabbat. Sinon, on ne repousse pas. De ce fait, maintenant, un enfant qui va naître à Ben Hashmashot, c'est parce qu'il est né le vendredi ou le samedi. Ouais, Ben Hashmashot, c'est au crépuscule, après le coucher du soleil, quand la nuit n'est pas encore franchement tombée. Il y a un laps de temps. On ne sait pas définir, alphiquement, est-ce qu'il appartient, ce laps de temps appartient à la journée précédente, donc il est né le vendredi, donc il faudra lui faire le brit mila le 8e jour, qui sera le vendredi, ou est-ce qu'il est déjà né pendant Shabbat, donc il faudra lui faire le 8e jour, le Shabbat. Dans le doute, tu ne pourras pas lui faire le vendredi, parce qu'il n'aura pas encore passé les 8 jours, mais tu ne le feras pas non plus le Shabbat, parce que peut-être qu'en fait, tu as déjà passé le 8e jour, parce que c'était le vendredi, et tu n'auras pas le droit de le faire pendant le Shabbat, donc ce sera différé au dimanche qui suit. Donc il s'avère que maintenant, on va se retrouver un brit mila qui va avoir lieu le 9e jour. Ok? Maintenant, cas de figure plus complexe, c'est si toutefois le 9e jour, ce 9e jour-là, en fait, juste après le Shabbat, on va se retrouver avec Rosh Hashanah. Ça peut arriver. Et bien le brit mila, il ne repoussera pas non plus Rosh Hashanah. Donc, tu devras reporter un jour supplémentaire. Tu feras le brit mila au, on en était où? On en était 8, 9, 10 maintenant, au 10e jour. Mais il s'avère encore que, j'ai mal fait mon calcul, c'est pas grave. D'abord, on va vite comprendre, Rosh Hashanah, ça peut être aussi, ça peut durer 2 jours, donc en fait ça va être reporté au 12e jour. Mais il y a une configuration encore plus complexe qui m'échappe. 2 secondes, je la trouve tout de suite. V'emchalo shnei yamim tovim shel Rosh Hashanah achar ota Shabbat en animal ad yom shlishi shu 12 lelatoa, ça fait 12e jour. J'ai fait un problème de calcul, je recommence. On a cas classique, c'est 8e jour. C'est né à Ben Hashmashot. Ben Hashmashot. Donc, ça sera reporté au 9e jour. Un jour de Rosh Hashanah, ça va faire 10 jours. J'ai un problème technique. Je n'arrive pas à me retrouver. Je fais le partenariat, je vais lire avec vous, on va voir.
Maintenant, je lis dans le Martin, Velo Yeter al Shamasar Ketzad, Nolad Ben Hashmashot Shel Erev Shabbat, En Onimol Be Shabbat, De Shamat Shii, ou De Ben Hashmashot, ça fait Yom, ça fait Klala, Vim, Yom, Hu, Nimtsa. Ah, j'ai compris pourquoi, mon nom de quelques lettres, très simple. Ça va mieux. C'est qu'en fait, quand je t'ai dit qu'il devait naître à Ben Hashmashot, que tu vas le faire en 9e jour, c'est pas 9e jour, ça s'appelle déjà le 10e jour. Parce qu'en réalité, peut-être qu'il est né réellement le vendredi. Et le Shabbat, c'est le 9e, donc tu l'auras fait au 10e. Donc en fait, on s'est retrouvé. Le cas, c'est exactement le cas qu'on a dit. Sauf que le d'appeler ça le 9e jour, le dimanche qui suit, ça s'appellera déjà le 10e jour. Ici, on a 2 jours de Rosh Hashanah, donc ça va nous faire le 11 et 12. Et donc, on fera le Brit Mila au 12e jour. D'accord? Ouais, c'est clair, je recommence. Encore une fois, comme ça on conclut sur quelque chose de net. Il est né à Ben Hashmashot, le vendredi après-midi. Ben Hashmashot, est-ce que c'est déjà rentré Shabbat ou pas? Tu lui feras le Brit Mila que le dimanche d'après. Ça s'appelle déjà le 10e jour. D'accord? Parce que peut-être qu'il est réellement né le vendredi. Mais dans le doute, tu ne pourras pas faire le vendredi, tu ne pourras pas faire le Shabbat. Donc tu feras ni le 8, ni le 9, mais tu feras le 10. S'il y a un Yom Tov maintenant, comme ça va être le cas avec Shavuot, maintenant, il va avoir le cas avec Shavuot, il va naître le vendredi de la semaine d'avant dans Shavuot. Ah Ben Hashmashot, tu ne pourras pas faire le Brit Mila le dimanche qui suit, puisque ce sera Shavuot. Tu devras faire le lendemain. Donc ce sera déjà au... On en était où? Allez, j'ai déjà oublié. 11e jour. Ouais, mais s'il y avait 2 jours de Rosh Hashanah maintenant, après, eh bien, tu vas te retrouver que tu vas faire au 12e jour, d'accord? C'est clair. Je te souhaite une journée pleine de la Slacha. Kol tu, c'est là.